Allô besties, re-bienvenue sur un weekly vlog, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc cette semaine en fait, je commence la semaine, je vous amène avec nous. Gabriel commence ses vacances, fait que ça tombe vraiment bien. Donc si vous avez vu mon dernier vlog, je vous disais que il avait pris 2 semaines. D'ailleurs on entend peut-être, attends, s'il est dans le salon avec Gab là-bas, il donne le biberon. j'avais dit qu'en fait il y avait eu 2 semaines de paternité avec nous. Puis c'était vraiment les 2 semaines qu'on était comme en mode survie, on n'était pas en mode de temps de qualité et tout ça. Puis depuis la semaine 2 à maintenant, Atlas a 7 semaines, il va avoir 8 semaines là, dans quelques jours pendant que je vous filme ça. C'était vraiment comme un gros stage pour Gab avec ses études, les soirs, les fins de semaine. Moi ça me permet d'avoir plus de temps aussi pour prendre ma caméra puis vlogger avec vous, parce que c'est sûr que là on est deux. Fait que j'ai une paire de bras de plus avec moi, puis je peux plus vous vlogger puis tout ça. Puis je veux juste vous amener avec nous des petites parcelles de notre vie dans notre petit quotidien pendant les vacances. Puis c'est le temps que je vais prendre pour justement faire du contenu, faire des vidéos. Parce que honnêtement, ça fait 5 semaines que j'ai pas posté sur mes réseaux puis sur mon feed Insta pendant que je vous parle. En date de maintenant, peut-être que par le temps que ça soit up, genre posté. Mais c'est juste parce que justement, je suis comme I try to manage everything solo. Puis genre, de créer du contenu toute seule en plus de m'occuper du bébé, it's a lot. Mais là qu'on est deux, I think it's gonna be possible. Bless you, bébé! On l'entend. Fait que, ouais, je suis vraiment contente. Ça va tellement faire du bien. On dirait que je me sens revivre. Fait que, ouais, it feels amazing. Puis, je suis contente de vous amener avec nous. Fait qu'on va aller à Tremblant, un petit getaway. On va faire des petits get ready ensemble. Do my makeup. Do a bunch of stuff together. Puis, ouais, c'est ça. Je suis bien excitée de vous amener avec nous dans ce vlog. Fait que, sur ce, on se rejase un petit peu plus tard. Besties, comme vous savez, I love my morning smoothie. C'est genre ma routine. J'en bois un à tous les jours. C'est comme mon déjeuner en fait, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui aimait vraiment manger des gros déjeuners, mais j'ai quand même besoin d'avoir mes protéines, d'avoir tous mes nutriments, puis surtout avec un bébé, j'ai encore moins le temps de m'asseoir puis de manger. Puis j'utilisais le même vieux blender qui était à mes parents de genre dans le temps qu'il était en appartement littéralement. C'était tellement un vieux blender, puis je l'ai brisé. Puis là je me suis acheté un autre blender parce que moi je crois pas à ça, les affaires trop fancy. Genre c'est juste un bon vieux blender que tu peux mettre dans ton lave-vaisselle puis qui fait la job. Puis j'ai trouvé un blender à 45$, où il était comme 50$ sur Amazon, et je l'adore. Il y a même l'option de faire comme une genre de slush smoothie, genre la texture de ton smoothie est insane. Je vous le montre. Si jamais vous cherchez un bon blender abordable, I'm obsessed with it. Genre je l'aime tellement, puis en plus il se défait encore mieux pour le lave-vaisselle et tout. Fait que genre c'est vraiment ce que je vous recommande. Si vous cherchez un blender pas cher, abordable, qui fait la job avec des options nice, je vous le montre. Ok, c'est ce blender là, vraiment, tu sais, simple, en vitre, j'adore. Ça s'enlève pour aller dans le lave-vaisselle. Pour vrai, il est parfait. Tu sais, c'est pas comme the most aesthetic thing, mais tu t'en fous, tu le ranges dans ton armoire, personne ne le voit. Good morning, besties. Je viens de m'habiller et de faire mon petit nettoyage de visage. Puis là, je suis rendue à faire ma petite crème hydratante. La peau est juste tellement sec et déshydratée là, à chaque changement de saison, c'est fou. Cette crème-là, je l'aime vraiment parce que non seulement elle est recyclable et le contenant est fait aussi de matière recyclée, c'est une crème qui est rechargeable et aussi, dans le fond, elle est naturelle, elle est hypoallergène, elle est sans parfum. Fait que si vous avez la peau sensible comme moi, it is so, so good. Et je collabore avec eux, donc ce segment de vidéo est en collaboration avec IDC. Puis, je suis vraiment contente parce que honnêtement, je suis cliente de IDC. Comme si vous me suivez depuis longtemps, j'ai déjà parlé de leur crème, j'ai déjà parlé du nettoyant en gel aussi pour le visage, comme j'ai souvent parlé de leurs produits. Fait que quand ils m'ont approché pour collaborer pour la crème Phyto Express, j'étais vraiment contente parce que I really love it. En fond, la Phyto Express, c'est vraiment la crème anti-âge 16 en 1. Fait que c'est une crème 16 en 1. Je répète, tu ne te tromperas pas, t'as tout là-dedans. T'as pas de casser la tête à savoir, ok, est-ce que j'ai besoin de mélanger telle crème avec telle crème, t'as juste besoin de ça pour le everything is in it. Je vous dis, elle est sortie naturelle et la recharge, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ça honnêtement, c'est que c'est juste plus écologique, puis aussi tu te casses pas la tête, tu gardes tout le temps ton pot. Puis, si je t'ai acheté la recharge, moi j'ai déjà mis ma recharge à l'intérieur. Petit reel sur Instagram pour vous montrer comment mettre la recharge à l'intérieur, mais c'est vraiment vraiment simple et facile à faire. Puis moi j'adore l'applicateur comme ça que tu presses puis que la crème sort. Je vais en remettre un petit peu puis en mettre dans mon cou. J'adore ce genre d'applicateur là, je trouve que c'est juste tellement le fun. Pour vrai, ça vaut chaque dollar investi dans cette crème. Je trouve vraiment vraiment que ça fait une différence. Comme, je trouve juste que c'est fou, l'effet est instantané, tellement plus glowy, tellement plus hydraté. Puis je l'ai testé depuis vraiment longtemps avant de vous en parler, comme j'ai parlé de ça en septembre aussi, que je l'aimais vraiment, puis je continue à l'utiliser tout au courant de l'automne. Et là, on s'en va dans un petit getaway en famille, on s'en va dans des chalets. C'est sûr que j'aimais ça, je suis en train justement de pacter ma trousse puis me dire, ok, qu'est-ce que je vais apporter, parce qu'avec un bébé, faut vraiment que je fasse mes valises d'avance puis que je commence à me préparer d'avance si je veux partir à l'heure.
partir à l'heure avec un nouveau-né, c'est un challenge. C'est sûr que je l'amène avec moi, fait que ouais, je voulais juste vous en reparler puis vous dire que je continue de l'utiliser, je l'aime énormément puis je vous la recommande. Je vais mettre un lien en bio si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, d'aller lire un peu plus sur la crème puis de vous informer. Et vous pouvez toujours m'écrire si jamais vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous conseiller. On va aller faire ma valise et on se rejase un petit peu plus tard dans notre petit family getaway vlog. Hey besties, j'espère que vous allez bien. Donc, as you know, je n'ai plus d'espace make-up. Mon bureau slash espace make-up est rendu l'espace de jeu d'Atlas. Alors maintenant, quand je vais me préparer, je m'installe sur mon îlot de cuisine. Puis c'est ici que je fais my make-up and everything. Quand j'ai le temps de le faire pour vrai, ces journées-là sont rares. Puis c'est ces journées-là que j'ai comme envie de vlogger, on dirait, les journées que j'ai du temps pour moi, justement, parce que vous faites vraiment partie de my little me time and my self-care routine, de genre vlogger puis vous parler, puis de parler à mes besties. Fait que là, dans le fond, j'ai juste fait ma base en ce moment, so I look a bit weird, mais je voulais vous dire mon make-up, bref, en même temps que je le fasse, que je le fais, en fait, j'ai tout fait ma base, donc ma routine matinale. Pour vrai, c'est un must, ok? Si vous ne faites pas votre make-up tout de suite après avoir fait votre skincare, c'est sûr que vous allez avoir peut-être des petites lignes, des petits creases, des petites patches un peu plus secs. Fait que vraiment, le truc, c'est de faire votre skincare avant. Puis là, dans le fond, j'ai mis mon fond de teint préféré pour vrai, là, c'est comme, il est quasiment vide, celui-là. C'est le Luminous Silk de Giorgio Armani. C'est comme mon Everyday Foundation, vraiment glowy. Par contre, c'est pas celle-là que je mettrais si j'avais un event, comme mettons à mon wedding, que je veux vraiment que ça soit épais puis que tu puisses faire comme un heavy contour and everything. Je mettrais pas celle-là. Fait que pour votre mariage, je vous recommanderais par exemple la Double Wear Foundation de Estée Lauder, qui est vraiment, vraiment bonne. C'est ce que j'ai porté à mon wedding. Fait que là, j'ai fait ça. J'ai mis mon cache-cerne que je suis en train d'essayer. C'est le Ilia. Donc, je prenais ceux de Giorgio Armani que j'aime vraiment beaucoup aussi. Le primer que j'ai mis, c'est aussi celui de Giorgio Armani Silk. Parce que ça, c'est quelque chose de vraiment important en make-up. Ce fond de teint-là, en fait, c'est un fond de teint à base de silicone. Fait que ça va bien avec ce primer-là à base de silicone. Fait que c'est vraiment important quand vous faites votre routine de mélanger un primer avec tous des fonds de teint à base de silicone. Puis si vous avez un fond de teint à base d'eau, tout doit être water-based. Comme ça, vous évitez la séparation dans votre make-up. Si jamais vous avez comme des patchs quand vous faites votre make-up, regardez si vos ingrédients sont tous silicone-based ou water-based. Moi, en ce moment, je suis en silicone-based. Fait que ça, ensemble, I really love that. Puis c'est ça, là. Après ça, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins important. Je pense que le plus important, c'est vraiment pour ton primer et ton fond de teint. Après ça, je vais mettre mon petit cream blush. J'aime vraiment celui-là de Fenty Beauty. J'aime vraiment les blushs pigmentés comme ça. Puis j'y vais directement après avoir fait mon fond de teint. Fait que j'ai déjà set my under eye, comme vous avez vu, avec la poudre translucide Laura Mercier. Puis tout le reste, je suis encore dans les crèmes. Fait vraiment commencer par toutes les crèmes. N'importe quel cream blush, je trouve vraiment qu'un blush en crème, ça fait toute la différence après. Normalement, si j'ai vraiment un event puis je veux faire comme quelque chose de vraiment intense comme make-up, je vais y aller aussi avec un bronzer en crème. J'aime beaucoup celui de Charlotte Tilbury, mais là, c'est comme my everyday. Fait que everyday, ça va être blush en crème, mais juste bronzer normal. Puis surtout, vu que je suis sur un time crunch, et je sais pas combien de temps que je vais avoir avant que mon newborn se lève. Fait que chaque seconde est comptée. Honnêtement, it is something. Mais je suis vraiment contente de prendre le temps quand même de faire mes petits weekly vlogs. Honnêtement, cette semaine, ça va tellement, tellement faire du bien. Parce que si vous avez écouté mon dernier vidéo, vous savez que Gab a seulement eu 2 semaines avec moi. Puis c'était comme 2 semaines vraiment intenses puis difficiles. C'était comme les 2 semaines les plus rough, honnêtement. Les 2 premières semaines avec un newborn, c'est eux que j'ai trouvé les plus durs. Fait que j'ai hâte de vous en parler. Mais pour vrai, trouver le temps de m'asseoir puis de vous raconter mon récit d'accouchement puis de répondre à vos questions postpartum, tellement hâte de le faire. Mais je n'ai pas ce temps-là de comme m'asseoir puis de parler pendant 1 heure. Tu sais, les vlogs, je peux vous filmer genre des petits bouts, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, puis genre 10 minutes, 5 minutes, 3 secondes même. Tandis que ce vidéo-là, c'est comme trouver le temps de vraiment m'asseoir. Mais là, Gab, en fait, a un autre 3 semaines, était capable d'avoir 3 semaines consécutives. Ben, il faut qu'il rentre travailler comme 2 journées ou 2-3 jours, là, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même plusieurs jours consécutifs avec Atlas et moi. Puis là, je vais pouvoir vraiment comme m'asseoir probablement puis filmer cette vidéo-là. Puis en plus, on a booké des petites vacances de famille. Fait que là, by the way, juste pour que je vous dise qu'est-ce que je fais, j'utilise tout le temps mon bronzer prêt. C'est le bronzer de Milani, le bronzer soleil. Je l'achète sur Amazon en paquet 3. Je vous en parle tout le temps, là, ce bronzer-là, pour vrai, je l'aime tellement. J'en ai juste mis un petit peu sur mes joues. Puis j'en mets juste sur mes yeux pendant que je suis dedans. Puis j'utilise ça aussi pour mon petit nose contour. Puis après ça, j'en ai seté mon blush, seté le reste de mon visage.
Mais ça, c'est comme vraiment my quick little 10-minute makeup routine. fait que ouais, c'est ça. On s'en va à un petit getaway que je vous ai amené avec nous. On s'en va à Tremblant, dans un chalet. En fait, on a booké deux chalets à Tremblant. Un qu'on est déjà allé, que je vous ai parlé, à Brébeuf. Puis un nouveau qu'on va essayer en début de semaine prochaine. Fait que c'est ça, j'ai vraiment hâte d'y aller honnêtement, puis juste d'avoir comme du temps de qualité en famille, parce que je trouve que c'est, on en a pas eu à date depuis les 7 dernières semaines. La réalité, c'est vraiment que Gab est toujours dans sa résidence, puis il a son gros examen en avril. Fait que le soir et la fin de semaine, il étudie beaucoup. Fait qu'on a comme pas vraiment comme eu de journée de temps de qualité en famille. Puis surtout, comme je vous disais, les deux premières semaines, c'était tellement intense que là, ça va faire vraiment du bien. Là, je viens de set toute ma peau, encore une fois, sauf le blush avec la poudre finie. Dans le fond, c'est la Press Powder de Charlotte Tilbury. Je l'adore, c'est genre ma quatrième, ok, pour elle. C'est comme la meilleure poudre Press Powder. Mettons que tu veux juste toucher ton make-up à n'importe quel moment de la journée, tu prends ça. Puis là, je vais faire mon blush, qui est ma partie préférée. J'aime tellement le blush Strawberry de Laura Mercier. J'aime tellement les blushs de Laura Mercier. Pour vrai, ils sont tellement pigmentés. J'ai l'impression que personne n'en parle. Ils sont comme underrated, on dirait. But they're so good. I love it. J'en mets un petit peu ici. Puis un petit peu en haut, comme si le soleil t'a donné un léger, mini, little coup de soleil. Manifesting a vacation, tan and glow. Fait au moins, après ça, là, j'ai encore un petit peu de temps. Fait que je vais prendre ma poudre que j'ai reçue. J'ai reçu cette palette-là, trop belle, de Ilia. Vraiment trop belle, tellement dans mes couleurs. Fait que je vais l'utiliser pour faire en dessous de mes yeux, ici. Mon mascara, bref, c'est le mascara de L'Oréal Télescopique. J'en ai vraiment souvent parlé. Je l'aime pour comme faire la longueur. Puis après, je prends n'importe quel mascara juste pour ajouter un peu d'intensité. Fait que là, j'ai celui-là de YSL. J'aime aussi celui-là de Giorgio Armani Beauty. Honnêtement, n'importe quel autre mascara juste pour rajouter de l'épaisseur. Mais la longueur, honnêtement, il n'y a aucun mascara, je trouve, qui fait comme le L'Oréal Télescopique, vraiment comme séparer tes cils puis les rendre vraiment longs. Fait que le truc aussi pour avoir l'air put together avec un make-up qui t'a pris legit 5 minutes, ok, c'est le truc, tu prends une petite brosse plat, puis tu viens mettre du bronzer ou n'importe quel eyeshadow brun, quand même warm tone, si toi t'aimes le warm tone, comme moi je fais jamais du contour avec du bronzer qui est cool tone, je vais toujours y aller avec des couleurs plus chaudes, puis je vais en mettre en dessous de mes yeux comme ça, juste une petite ligne, je trouve vraiment que ça fait toute la différence, puis d'en utiliser aussi sur le dessus de ta paupière. Fait que dans le fond, les couleurs qui sont sur ton visage, essaie de toujours les mettre aussi un petit peu sur ta paupière, comme dans le creux ici, vraiment juste ton brun puis ton blush, que tu peux juste récupérer en fait pour te faire un petit quick eye look. Puis après ça, avec le highlight, puis c'est comme dans le fond, toutes les couleurs que tu as dans ton visage, ils reviennent sur tes yeux. Puis ça fait comme vraiment un beau, une belle équilibre, je trouve, avec le blush et le bronzer. Fait que justement, je reprends mon blush. Puis je vais m'en mettre un petit peu ici. Fait que ouais, tous les jours, j'installe mon petit setup en make-up. En fait, c'est pas trop compliqué parce que maintenant, j'ai fait un gros ménage. Puis tout mon maquillage rentre dans genre un de mes coffres. Je vais vous le montrer après de quoi ça a l'air avant de ranger. Puis je vais juste m'installer sur les lots dès que j'ai, ben, tous les jours. Si j'ai la chance de pouvoir faire mon make-up et l'opportunité dans ma journée, je le fais puis je m'installe. Fait que, ok, là, je dis comme pas mal tout partager ma routine. Ben, je me suis demandé justement sur Insta de vous dire c'est quoi mes produits prêts. Un highlighter que j'aime vraiment, qui est liquide, que là, je vais pas mettre. Comme quand je fais comme, comme je vous dis, si j'ai vraiment un event ou comme quelque chose, je vais faire tout en crème. Fait que bronzer en crème, highlight en crème, crème pour le blush. Mais là, je fais juste, ce que je fais tous les jours, c'est vraiment mon fond de teint avec, en liquide, avec le blush en crème, puis le cacherne en crème. Je sais pas si ça existe du cacherne pas en crème, peut-être. Peut-être ça existe pas. Mais ça, j'aime vraiment, c'est le Fluid Sheer de Giorgio Armani aussi, qui est un liquid highlighter. I love that. J'ai porté ça à mon wedding. So gorgeous. Puis là, je vais mettre mon highlight qui est comme... Sérieux, j'ai ça depuis le secondaire. Depuis le secondaire, je l'ai. It is crusty, dusty, but it's so good. C'est le highlighter de MAC. C'est quoi le nom, donc? Soft and Gentle. Such a good highlighter. Puis je vais en mettre tout le temps ici. Une petite affaire. En dessous de mes sourcils, puis après j'en ai fait mes sourcils d'ailleurs, j'ai oublié. Des fois j'ai mes sourcils avant, après. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'ordre. Surtout qu'en ce moment, je fonctionne littéralement avec deux brain cells. Des fois, genre, j'essaie de décrire ça à mes amis, je suis comme, en ce moment, comme, demande-moi pas qu'est-ce que j'ai fait hier, je peux même pas te le dire. Je suis juste comme être en mode autopilote and survive. Rocher mon miroir comme ça, mais c'est ce crayon-là que j'utilise depuis toujours pour mes sourcils, en fait. C'est le Anastasia Beverly Hills Brown Definer. C'est tellement bon pour vos sourcils, pour vrai. J'utilise ça depuis tout le temps, fait que ça a pas vraiment changé dans ma routine, bref. Et voilà, je vais maintenant mettre mon petit setting spray. C'est le Urban Decay All Nighter. You need this makeup setting spray dans votre vie. C'est le meilleur makeup setting spray. C'est fort là. Si vous devez splurge sur quelque chose, splurge on this setting spray. Comme à votre wedding, vous devez faire ça en chaque étape, ok? Si vous vous
mariez, que vous faites votre propre make-up comme j'ai fait, je vous conseille de vraiment vous mettez tout ça. Après, vous faites toute la crème. Tu commences toujours par la crème. Tu te fais une full bonne skincare routine. Genre, tu te mets un sheet mask, vraiment, tu hydrates ta peau. Tu mets ton fond de teint, ton cache-cerne, ton cream blush, ton cream bronzer, toute cream. You set with this. Tu te drench ton cou, genre, drench this. This. Bestie, it's your. C'est genre, si vous vous mariez, vous avez votre bal finissant, whatever it is. Une occasion, vous allez à un mariage, faites votre make-up. By this. Après ça, tu mets toutes tes crèmes. Genre, la fille est intense, mais comme, elle pourrait vraiment me sponsoriser parce que j'en achète tellement. Puis après ça, vous devez mettre votre setting spray. Votre setting powder. Fait que moi, j'aime vraiment la Laura Mercier Translucent Powder. Honnêtement, love her so much. Puis je la prends avec une éponge humide pour venir la mettre partout. Ça fond comme du bark, en fait. Ça, c'est fou. Puis vous pouvez aussi bake. Quand j'ai vraiment un événement, je vais le faire. Après ça, bronzer Mélanie Soleil, comme je vous ai dit. La poudre Press Charlotte Tilbury. Le blush de Laura Mercier. Là, en ce moment, cette palette-là, pour vrai, si j'avais eu ça à mon mariage, c'est exactement ça les couleurs que j'ai utilisées à mon wedding. Vraiment juste warm tones, mat avec des petits shimmers. Puis le brow gel de Anastasia Beverly Hills qui est clear avec le pinceau que je vous ai dit. Primer, foundation, peu importe le fond de teint puis le primer que vous décidez d'aller, faites juste toujours vous assurer que c'est la même base. C'est vraiment été un game changer pour mon make-up de savoir que mon fond de teint avait la même base que mon primer. C'est quelque chose que je faisais vraiment différent. J'aime beaucoup le primer, le Milk Grip, là, que je vous en parle souvent, mais c'est un water-based primer. Puis je l'utilisais tout le temps, puis j'étais comme, couton, on dirait que des fois, je le mets, puis à la fin de la journée, tu vois que ton make-up, il y a comme de la séparation, puis que t'es comme un peu plus cakey. Mais c'est vraiment à cause de ça. Moi, ça a vraiment changé toute ma routine en faisant ça. Fait que, ouais, c'est ça. Si le setup, quand je me prépare le matin, au moins après, tout rentre là-dedans, dans cette trousse. Cette trousse est la vie. Fait que je prends ceux qui sont rangés dans ma pièce. Ben, dans ma pièce, c'est plus vraiment ma pièce. Dans la pièce Atlas, puis je l'amène. I've been missing out the walk with the men. I've been building all the blocks like a man. Je vais vous faire un petit chalet tour, chalet dans lequel on est en ce moment à Tremblant. Tu rentres, il y a une salle d'eau ici. Ensuite de ça, il y a une grande cuisine spacieuse avec un petit back kitchen. Vous avez le premier salon qui est quand même un grand espace. La vaisselle, il marche en ce moment, fait que désolé si vous entendez le gros bruit en arrière. Vous avez ici la vue avec les couleurs d'automne. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a quand même un brouillard ce matin, mais on voit les couleurs. Il y a une longue galerie dehors, vraiment beau, avec une belle table comme ça pour manger dehors. Donc ouais, ici, on a vraiment un autre angle de la vue du rez-de-chaussée, puis toutes les chambres sont en bas. Donc en bas, vous avez 3 chambres et 2 salles de bain complètes. C'est un petit peu nos sacs sont toutes là, et un autre salon. Enfin, je vais vous montrer les 3 chambres. La première, dans le fond, il y a 2 lits comme ça avec des lits bunk beds. Across from that room, vous avez une salle de bain complète, bain douche, puis ici vous avez laveuse sécheuse. Ici, comme vous pouvez voir, c'est une autre chambre. Donc nous, on a dormi dans cette chambre-ci qui est comme la suite principale. Donc c'est comme une chambre avec une salle de bain adjacente. C'est vraiment plus l'area des chambres. Puis juste ici, dans le fond, avec la sortie, vous avez l'accès au spa qui est tout couvert, vraiment cool. Donc voilà, le petit chalet tour. Good morning, besties. J'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort en ce moment parce que Atlas est recouché. Honnêtement, chaque nuit est tellement différente pour nous. By the way, je teste ce nouveau lip mask de Ilia qui m'ont envoyé. C'est nouveau chez Sephora, cette marque-là, je pense, parce que j'aime de commencer à découvrir. So far, I really love this. Mais ouais, je suis debout depuis 4h du matin parce que j'ai vraiment de la misère à me rendormir. Ça, c'est quelque chose que je struggle beaucoup. Je suis quelqu'un qui prend du temps à endormir. Quand je me réveille pour les boire d'Atlas, c'est vraiment long de me rendormir. Fait que si jamais vous l'entendez, Atlas sort des petits pleurs. Inquiétez-vous pas, il est avec Gab. Je laisse pas là, en train de pleurer. Je suis pas seule à la maison. Gab est avec moi. Pour vrai, ça m'aide tellement justement à vous vlogger. Puis ce que je voulais vous dire, c'est que ces nuits sont vraiment instables. Okay? Dans le fond, comme là, hier, il a pris son boire de dodo à 7h30. On essaie de l'endormir vraiment autour de ces heures-là, entre 7 et 8. Puis hier, je pense qu'il a fait de 7h30 jusqu'à minuit et demi. Fait qu'il nous a fait un stretch de 5h.
Puis après ça, il a fait de minuit et demi à 4h du matin. Fait que là, il a fait un 3h30. Puis après ça, de 4 à 7. Fait qu'un autre 3h. Fait que j'arrive vraiment beaucoup entre des stretches de 5h, des stretches de 3h, des stretches de 4h. Mais c'est comme tout le temps variable. C'est jamais comme constant. Là, ça fait 3-4 nuits qu'il nous fait des 5h. Mais c'est comme une première pour vrai. À date, depuis qu'il est né, j'ai peut-être eu 1 ou 2 5h de suite. Fait que bref, je sais pas trop si ça va être constant. Je sais que le sommeil des enfants, c'est à ne jamais prendre pour acquis. Puis que c'est toujours comme justement un peu inconstant. Fait qu'à chaque soir, j'essaie de me coucher en même temps, puis j'essaie de prendre le beat. Mais moi, quand je donne le bois à 4h du matin, par le temps que je le nourrisse, tout ça, ça fera comme un bon 30 minutes, changer la couche, etc., l'endormir. À 5h, je suis recouchée, puis à 5h, je suis comme réveillée. Fait que me réendormir, sachant que je me lève à 7, j'ai de la misère. Pour vrai, j'ai de la misère à me réendormir. Fait que eye patches for the win. J'ai eu un TikTok l'autre jour, ça disait genre, I love being a mom, I wouldn't trade this for the world. Puis c'est tellement vrai, genre en ce moment, tout ce que j'ai goût de parler, c'est de mon bébé. Parce que c'est la seule chose, comme je suis avec lui tous les jours, 24/7, c'est tellement ça, c'est ce qui me consomme, c'est ce que j'ai le goût de parler. J'ai pas le goût de parler de rien d'autre, j'ai pas le goût d'aller nulle part autre qu'être avec lui. Comme quand je vais dans des événements, je sens que comme je m'ennuie de lui, j'ai besoin d'être avec lui. Bon, je pense que ces patchs-là sont over parce qu'il arrête pas de glisser. Comme tout ce que j'ai envie de faire, c'est être avec lui, passer le plus de temps possible avec lui, puis comme. On dirait que je me sens comme un peu coupable parfois aussi d'aller à quelque part sans lui. Comme à date, la seule chose que je fais sans lui, c'est aller faire mes ongles. Vraiment, je fais tout le temps la même affaire, ok? Je fais comme des ongles super courts, bubble bat de OPY. C'est vraiment comme une couleur super simple, super naturelle que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je peux la garder vraiment longtemps. Fait que j'y vais en ce moment aux 3 à 4 semaines. J'essaie de stretcher le plus possible. Puis ça prend une heure mon rendez-vous. Fait qu'en ce moment, c'est comme la seule affaire que je fais sans la classe, puis je suis comme pas prête à en faire plus. J'ai mon rendez-vous pour mes cheveux pendant que Gab est en vacances. Fait qu'on va voir, les cheveux c'est toujours un petit peu plus long. Je veux juste refaire mon toner. Puis si jamais vous êtes intéressé à ce que je fais dans mes cheveux, faites juste appeler au salon, l'atelier au Vieux-Port, puis on vous faites juste dire je veux la même chose que Maud. Honnêtement, n'importe quel hairstylist, là-bas sont vraiment bonnes. Puis je fais tout le temps comme un face framing puis un gloss sur ma couleur naturelle. C'est vraiment ça, mais en termes de c'est quoi la shade qu'ils mettent puis tout, j'ai aucune idée. Mais je demande tout le temps face framing et gloss partout. Puis là, je laisse vraiment mes cheveux juste sécher naturel. J'essaie de mettre le moins de chaleur dedans, faire des masques, puis en prendre vraiment soin parce que souvent, moi, mes cheveux ils deviennent vraiment secs puis un petit peu plus cassés justement entre la période automne-hiver, fait que j'en prends extra soin, extra hydratation. Même chose pour mon corps, je trouve que j'ai la peau encore plus sec vraiment dans les changements de saison, fait que j'essaie de donner extra love to my body and self-care, puis ma routine, puis mon glam, everything, genre juste comme prendre soin de moi, faire ma routine de peau, prendre un petit moment le matin pour me sentir like myself, comme ma petite me time, ma petite routine. Ça a toujours été quelque chose que j'aime faire dans toutes mes vlogs. Fait que le fait d'avoir Gab avec moi, it makes such a big difference pour vrai. Puis en ce moment, comme je vous disais, il a pris des vacances, mais c'est aussi des vacances d'études. Fait que c'est sûr qu'il passe du temps de qualité avec nous en famille, mais c'est notre réalité, c'est l'examen du Collège Royal qui s'en vient pour lui. L'examen du Collège Royal, c'est un examen que t'as besoin environ, on dit des chiffres comme ça, mais c'est entre 400 et 500 heures d'études. Alors beaucoup d'heures d'études. En plus que Gab travaille beaucoup d'heures. Fait que là, il a pas le choix. Dans ses vacances, en fait, on a fait des petites escapades comme vous avez vu, on est allé au chalet. On a d'autres chalets qu'on a réservés, mais il y a des journées qui s'en va à la bibliothèque, que c'est booké, qui est pas dans la maison, qui s'en va à la bibliothèque, qui est loin, cubicule, la bibliothèque de notre ville, honnêtement, puis il fait juste s'installer puis étudier, puis son salaire, on n'a pas dérangé, puis c'est vraiment des heures d'études qui sont efficaces. Puis moi, j'essaie de l'aider le plus que je peux. Comme vous savez, on a un book club, Gab puis moi. Si vous n'étiez pas au courant, on a un book club, ok. Je vais peut-être vous en parler plus sur Insta, puis faire un highlight avec my book recommendations if you guys want to see that. Mais on a un book club, ça s'appelle le book club Miel. C'est vraiment quétaine, ok, mais je sais même pas si j'ai déjà partagé le nom de notre book club. On est juste deux, moi, Gab, puis maintenant Atlas. Fait que c'est Maud, Gabrielle, Miel. Vraiment quétaine, ok, je sais, on est quétaine, assumée. Puis dans le fond, notre book club, on a commencé ça pendant la pandémie parce qu'on trouvait qu'on était tout le temps devant la télé puis on voulait changer. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on prend chacun un livre, on a des soirées lecture, puis à chaque soirée lecture, souvent c'est comme un vendredi par mois minimum, quand on a le temps, là, c'est sûr que le nouveau-né, le petit book club est un peu de côté. Puis quand on est en baby mood, notre book club, on lisait quasiment chaque jour. Puis après notre période de lecture, mettons qu'on se donne 3 heures de lecture ou 2 heures de lecture, on fait tout le temps un résumé à l'autre de où est-ce qu'on est rendu dans notre livre, qu'est-ce qu'on a appris dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on en pense à date, c'est quoi notre sur 10. Puis à la fin vraiment du livre, on va vraiment donner à l'autre un résumé. Fait que c'est comme si tu lis deux livres, parce que moi je sais qu'est-ce qui se passe dans son livre, dans son chapitre, lui sait qu'est-ce qui se passe dans le mien. Puis à la fin, on est comme ok, celle-là c'était un 10 sur 10, on le recommande, puis celle-là on le recommande pas. Fait que ça fait qu'on a comme l'impression de lire plus de livres. Mais là, je pense que dans le book club, on va faire un petit study club, puis je vais aider Gab à étudier. Je sais que
Gab a ses propres techniques d'études, mais je sais qu'il m'a dit qu'il voulait peut-être que j'y pose des cartons, genre on va faire des petits flashcards, I'm gonna help him study, puis genre il posait des questions, puis le fait qu'il m'explique les chapitres qu'il lit, quand t'expliques à quelqu'un aussi, c'est une bonne façon d'étudier parce que tu lis ton chapitre, puis après tu l'expliques à quelqu'un, fait que c'est comme si deux fois t'as fait ton étude. Entre aussi, j'ai acheté des petits items au Revolve, je vais vous montrer quick qu'est-ce que j'ai commandé. A quick little Revolve haul, j'ai pris cette robe-là qui est comme une longue, robe tricot, vraiment cosy, vraiment comfy, juste comme une doudoune que tu veux te mettre quand c'est l'automne. J'ai aussi pris cette jupe là que j'ai postée sur Insta, c'est comme une jupe toute en tricot, puis elle fit avec le col roulé dans le fond. Et je sais pas pour vous, mais moi cette année j'ai déjà tellement hâte au fight, genre j'ai hâte de faire mon sapin de Noël, genre mes décorations de Noël, vous savez que chez nous it's like I have so much fun with it, puis j'aime tellement mes décos. Noël is one of my favorite holidays, j'adore Noël, j'ai tellement hâte de décorer, j'ai hâte au mois de novembre juste pour pouvoir décorer. Fait que j'ai déjà commencé à penser un peu à mes looks des fêtes, puis ça je pense que ça va être un de mes looks for the holiday. Je vais ranger mes vêtements, je vais m'habiller. Water dripping out the ceiling. Oh my god, what he got it by? Oh my god, what